La cogénération. La cogénération, c'est la production simultanée de chaleur et d'énergie mécanique, donc apportée euh, par un combustible à travers un transformateur, euh, par exemple donc un moteur. Euh, généralement, donc de gros moteurs sont utilisés à coupler des alternateurs pour produire de l'électricité connectée au réseau. Euh, ceci dans beaucoup de pays. Nous en France, nous avons de l'électronucléaire, donc et nous n'utilisons plus de gros moteurs de ce type-là. En tout cas, dans la majorité des cas, euh, ces moteurs donc, de grosse puissance produisent de l'électricité avec un rendement de transformation du combustible qui les anime de 35 à 40 et qui peut aller jusqu'au mieux 50 donc pour les plus grosses installations. Ce qui signifie que 60 à 50 de l'énergie amenée par le combustible est perdue. La cogénération donc consiste donc à utiliser cette part d'énergie perdue sous forme de chaleur de façon à augmenter le rendement global de l'usage du combustible. On arrive à ce moment-là à tirer en fin de compte 80 à 90 de l'énergie apportée par le combustible en comparaison des 35-40% dans une installation classique. On retrouve la même chose dans les centrales thermiques, euh, qui fonctionnent selon le principe d'une chaudière qui va être alimentée par un combustible. Cette chaudière va transformer de l'eau en vapeur. La vapeur va faire tourner une turbine accouplée à un alternateur qui produira de l'électricité au réseau. Ces systèmes-là Atteignent des performances de transformation, donc un rendement global d'à peu près 40%. En cycle combiné gaz cogénération, le principe est un petit peu différent puisque en fait on va utiliser une turbine de combustion dans lequel le gaz sera brûlé. Cette turbine, bien sûr, est accouplée à un alternateur qui va produire de l'énergie électrique sur le réseau, mais tous ces gaz d'échappement vont être à leur tour utilisés dans une chaudière qui va transformer de l'eau en vapeur et cette vapeur va alimenter une turbine-vapeur elle-même accouplée à son propre alternateur et qui viendra effectivement en complément importer de l'énergie électrique au réseau. Grâce à ces systèmes-là, on passe de 40% à 55% de rendement global. En fin de compte, la cogénération, ça permet quand même pour euh, une même énergie d'utilisation, c'est-à-dire une énergie mécanique euh, utilisée et une énergie thermique produite, d'utiliser moins de combustible en amont. Par exemple, en cogénération, pour euh, obtenir 35 euh, unités d'énergie, en électricité et 50 unités d'énergie en chaleur, on aura besoin de 100 unités d'énergie en gaz naturel. Alors que si l'on n'avait pas fait de la cogénération, si on avait d'un côté produit de l'électricité et d'un autre côté produit de la chaleur dans une chaudière, pour les mêmes quantités d'énergie finale, il aurait fallu introduire 120 unités en gaz naturel, pour prendre cet exemple. On va retrouver cet avantage en termes d'impact environnemental, puisque, utilisant moins de carburant en amont pour la même énergie de service, on va évidemment générer moins d'équivalent gaz à effet de serre. Dans le cas précédent que l'on regardait, donc en co-génération, on utiliserait 660 kg de CO2. Hein, par unité d'énergie, alors que dans un système séparé, non co-généré, co euh, on émettrait 780 kg de CO2. Donc l'intérêt euh, environnemental est bien évidemment lié à euh, la diminution de la, la consommation d'énergie primaire. En fait. L'intérêt économique, bien évidemment, est lié aussi à l'économie d'énergie, de combustible que l'on réalise grâce à la cogénération. La cogénération donc peut s'appliquer sur à peu près toute l'étendue de la demande en puissance, depuis les petites puissances électriques donc euh, dans la gamme domestique dirait-on, petit groupe électrogène, jusqu'aux gros moteurs de production d'électricité réseau à peu près 25 mégawatts électriques. Ensuite, pour aller aux 250 mégawatts électriques, on est dans le champ des turbines à combustion. Et enfin, au-delà de ces puissances de 250 mégawatts électriques, là, on est plus dans le champ des turbines à vapeur. La cogénération est applicable désormais dans toute cette plage détendue, depuis le petit jusqu'au plus gros. Un exemple, donc, pour revenir à une cogénération intéressante des carburants de la biomasse. Ce sont des, par exemple, prenons l'exemple de production de biogaz dans un biodigesteur. En fait, le biogaz, qui est essentiellement composé de méthane, hein, combustible, donc, va alimenter un moteur qui va produire de l'électricité, d'une part, mais dont on va également récupérer la chaleur pour alimenter des réseaux de chaleur. Je vous ai pris un exemple que l'on peut trouver actuellement donc, en gamme commerciale d'une petite unité de co-génération biogaz. Ce module donc, offre une puissance électrique de 104 kW hein, et en même temps donc, une puissance thermique récupérable de 125 kW. Pour produire ces, ces, ces deux performances, il a besoin d'à peu près donc, 45 mètres cubes de biogaz ce qui représente une énergie de 270 kW. Ce qui signifie que son rendement global, en fait, c'est la somme de l'énergie électrique et de l'énergie thermique divisée par 270. Et effectivement, on obtient 84,8% de rendement énergétique global. Son rendement thermique est de 46% et son rendement électrique de 38%.